Congo RDC. Retenia ma belenza me apesa biso na mokili. Bakadisa kitanga ekota na te. Lelo yo tongo etani. Hey, kisalu me bana. Salut, je suis Denise Dussauchois, journaliste reporter d'images, influenceuse, lanceuse d'alerte, conseillère en communication numérique et digitale de plusieurs personnalités publiques, conseillère en communication institutionnelle. J'entends se lever deux voix par-ci par-là sur les minerais de la République démocratique du Congo, mon pays d'origine. Un reportage qui a été signé par Alain Enfoca. Moi, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je ne veux pas me focaliser sur les Chinois. Parce que derrière tous ces Chinois, ces Américains, ces Indiens, se cachent des Congolais, des pères et des mères, qui n'hésitent pas à faire souffrir leurs frères, leurs sœurs, leurs compatriotes. Nous savons comment ça se passe. Moi, je m'en vais concrètement vers un fait. Les mines du Katanga, qui sont pillées pour la plupart par ceux qui sont autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, vous l'avez bien compris, j'ai mentionné. Je ne parle pas sans preuve. Une journaliste d'investigation se doit être professionnelle. Et c'est ce que je suis. D'ailleurs, c'est ce qui m'amène des problèmes parce que je dis tout haut ce que les gens disent tout bas. Je m'en vais vous donner un exemple. Un pasteur qu'on appelle le pasteur Chilumba Shekina, qui est l'un des pasteurs du chef de l'État. Il est autour du chef de l'État. Il a aussi de l'emprise sur lui, sur le plan spirituel. Ce pasteur qui s'est lancé dans les minerais en 2019 a fait appel au jeune Patrick Katengomafo pour l'aider à faire les minerais. Mais quand ils sortent de l'argent, 90%, entendez bien, 90% vont chez le président de la République. Ça, c'est selon le pasteur Olivier Chilumba qui dit à Patrick Katengomafo et l'apôtre Diambilaye qui est au Katanga, un ami, un frère au pasteur. En fait, en soi, le pasteur Diambilaye a été envoyé pour surveiller Patrick Katengo. Mais après, le même pasteur Olivier s'est dit que les deux sont en train de le voler. Parce qu'en soi, comme nous tous qui avons mené les investigations, Patrick Katengo s'est rendu compte que le 90% dont parlait le pasteur Olivier Chilumba, qui parlait chez le président de la République ou à la présidence de la République, ne sont jamais arrivés pendant les 2 ans et demi qu'ils travaillent ensemble. J'ai dit des choses que je maîtrise parfaitement. Le pasteur Olivier Chilumba, qui dit qu'il était homme d'affaires, désolé, avant 2019, en tant que journaliste reporter d'images, qui a travaillé avec l'ancien régime et activement dans la communication institutionnelle, qui connaît les gens qui ont des sous, excusez-moi, je ne vous connais pas. Je vous connais quand je vous ai appelé pour avoir votre son de cloche sur le dossier en cours. Le pasteur Olivier Chilumba, comme vous pouvez voir sur ce contrat, vous voyez, c'est des contrats qu'il signe avec la GECAMINE. Comme vous pouvez voir ici,
J'ai 23 contrats. 23 contrats au Katanga, loin là-bas, où M. Olivier Tshilumba exporte le remblai de la Gécamine. Tenez. Et quand on exporte ces remblais-là, on donne à la Gécamine 10 000, 20 000, 50 000, tout au plus 100 000 dollars. Mais c'est des minerais qui vous coûtent 3 millions, 5 millions, 10 millions, 60 millions, 100 millions, 200, 300 millions de dollars. Tenez-vous bien. Les remblais à l'entrée de la ville de Likasi qu'on appelle Kiplanga. Kiplanga, je ne connais pas trop bien la lexique du mot. Ces minerais-là, on a donné à la Gécamine 50 000 dollars. Je le documente ici avec moi, signé par OL Consult. OL Consult qui signe ce contrat avec la Gécamine. Je parle avec deux preuves à l'appui. Je ne sais pas si vous voyez. OL Consult, c'est Olivier Tshilumba Shekina. Le premier contrat est du 9 avril 2019. Signé par Angele Massoudi, secrétaire général, Kamenga Chimwanga, directeur général AI, OL Consult, signé par Olivier Tshilumba Shekina. Voilà. J'en ai 20 ans comme ça. Soyons patriotes, hein. Bana Kulala Bakatanga. Bote de la Bakatanga à la moté. Pour la dernière, il y en a 23 ans. Monsieur, que vous puissiez vous enrichir, on s'en fout. Construisez chez vos Kassai. Passez de l'argent volé, qui est le taux. Katanga qui est le taux de nous, qui est pas de nous, pas de nous, pas de nous, pas de nous, 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 Boujimi Boatiana Boamanvo, quoi n'a pas cassé et tout. Vous avez dit, moi je fais quoi? Moi je suis journaliste, je vais avoir l'argent où? Moi je ne vole pas, moi je travaille. Eux volent. Ils ont des millions qu'ils n'ont pas mérité. Qu'ils aillent construire au Kassai. Ne nuit pas, tout le monde. Donc, il dit, félicitations, et pour nous, nous avons quoi ce qu'on a bend? Nous avons quoi ce. Et nous sommes la risée de tout le monde. Avec tous ces millions que vous vous êtes faits, Tshilumba, Kassaïen, Djambilaï, Kassaïen, vous pouviez construire même 4 immeubles, hein? Des restaurants, des boucheries et employer des jeunes, résorber le chômage. Monsieur le président de la République, il est temps de mettre Monsieur Olivier Tshilumba à côté. J'ai vérifié, je cite des noms. Ce chef de l'État, Taylor Lubanga, qui m'a dit, maman Denise, le président ne connaît même pas cette histoire-là. J'ai vérifié chez mon cousin, mon ami proche, le conseiller Théombia, qui m'a dit, maman, votre président Mboualo, il ne connaît rien du tout. Mais monsieur Olivier Tshilumba a même failli arrêter Patrick Katanga. Quand vous entendez que Patrick Katanga a failli être tué, c'est pour cette histoire-là de remblai des minerais du Katanga. Tu veux faire tuer un Katangé? Il t'a volé, mais ce sont minerais. Et puis, il part même prendre et faire l'audit. Et il prend qui? Des petits, des meilleurs amis à Madame Francine Muyumba. Bisous, Francine. Mais bisous à mes bébés. On a failli dire non, Francine les a envoyés, non, Francine les a pas envoyés. C'est le passé, tu m'as qui est parti les chercher pour faire l'audit. Noah Mbikai. Et l'autre, j'ai oublié son nom, maître truc. Ce sont eux qui font l'audit. Pour arrêter Patrick Katengo, l'humilier comme on a fait avec Christian Mélos. Toujours une histoire des minerais. Et qui est derrière tout ça là? C'est un monsieur qu'on appelle Monsieur Pan. Un Chinois qui est bourré d'argent. Et c'est lui qui a enrichi tout le monde. Il a du cash. Ici, j'interpelle la commission du blanchiment d'argent. Cette commission qui a été mise en place par le président de la République. Monsieur le président de la République, ce monsieur habite dans un square à Lubumbashi. Il a du cash. Chez lui, pour y arriver, tu dépasses 2, 3, 4 clôtures pour arriver dans sa maison où il habite.
des chiens, des gardes blindés partout. Ce monsieur a du cash dans sa maison. C'est inacceptable. Son argent doit être logé dans une banque pour que nos banques congolaises puissent aussi fructifier leurs recettes. Qu'il ait son argent, on s'en fout. Cet argent doit être quelque part. Et il exporte même des minerais rares. J'ai dit des choses que je maîtrise. On vous dira que quand Denise Dussochua Mukendi est sur ton dossier, donc elle a eu le temps d'avoir tous les documents avec elle. Pour ne pas tomber dans la diffamation. Vous avez le temps de me contacter pour votre droit de réponse. Mais en venant vers moi, sachez que j'ai déjà tout à 90%. Si vous faites une erreur de recruter des gens pour me, je suis en feu. J'arrête le feu. Ceux qui ont tenté sont à Makala, même s'ils ne sont pas et qui sont dehors, qu'on m'a dit de ne pas parler. C'est pas qu'à ma photo, bah, Libanat. Voilà. D'ici les élections commencent au Kassai, monsieur le président de la République, j'ai un message à vous faire passer aujourd'hui en tant que Kassaïenne, en tant qu'une femme d'origine Kassaïenne. Monsieur le Président, nous ne voulons plus le clientélisme, ni le népotisme, ni l'imposition. Nous voulons des gens qui ont fait des grandes études, qui ont des carnets d'adresses, qui peuvent nous amener des investisseurs. Ouvrir, déjà, commencer par la route Kalamambouji, qui peut ouvrir le Kassai, désenclaver le Kassai sur l'Angola. Doudou, d'autres villes que j'oublie les noms. Le port de l'hôpital. Si le Kassai est désenclavé, le Kassaïen n'ira plus partout. L'homme Kassaïen n'ira plus partout. L'homme Kassaïen n'ira plus dans l'exode rural. Monsieur le président de la République, c'est mon message. Nous ne voulons plus. Jésus-Christ, pour aller à la montagne, il a pris ses propres frères, les enfants des Marie. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, mais en commençant par Jérusalem, mes conjonctions de subordination. Monsieur le président de la République, nous voulons les hommes capables d'amener le Kassai à son développement effectif. Nous savons, vous ne pouvez pas tout faire. Mais si vous ne pouvez pas nous aider, mettez des gens qui peuvent nous aider, des gens qui peuvent aider les Kassai, des femmes dignes, des hommes dignes. C'est ce que le Kassai a besoin. Nous sommes à un an et demi des élections. Rien n'est acquis. Nous avons vu des gens 18 ans partir et aujourd'hui qui n'ont rien. Des gens qui se disaient forts. Mais lorsque le vent de l'union sacrée a soufflé, ils ont été emportés. C'est pour dire qu'ils n'ont pas été forts. Monsieur le président de la République, je parle pour mon Kassai. Bienzamoulou, cher Kassaïen, vous aurez su qu'il y a eu une rute qui a parlé, qui a alerté, qui s'est levée. Sinon, ce qui est fait contre, sans nous est fait contre nous. Nous deviendrons tes adversaires. Et tu en as déjà beaucoup. Tu n'en as pas besoin. Nous sommes ta base naturelle. N'appelons-moi au monde Sam. Bien sûr, je vous mets. Pour ce Kassai-là. Les gens diront, je suis jalouse.
quand on me regarde, quand vous, lorsque vous me regardez, je suis une femme jalouse. Moi, j'ai failli mourir pour ce pouvoir. On a failli vous abattre plusieurs fois. L'information est sortie de cette maison sur cette chaise. Des caches d'armes. Est-ce que j'ai eu quelque chose que j'ai demandé? Jamais. Le meilleur temps, c'est le temps de Dieu. Qui met tout le monde à sa place. Les reines sur leur trône. Les clowns au cirque. Gazamou. Benakasai. Toi, Kouji. Gazamou. Bienvenue, je suis Denise du Sochoa. Je viens pour une mise au point. Le but de ma communication a toujours été de sensibiliser mes frères et sœurs kassaïens à l'investissement au Kassaï où les gens meurent de faim alors que nous sommes au pouvoir. Mon message a été dévié de par ses objectifs et prend des proportions très inquiétantes entre les communautés kassaïennes et katangaises. Sur ma tribune, je réitère le même message dans cette vidéo. Je rappelle que les Kassaï se meurent et personne n'ira construire là-bas, ce sont les Kassaïens eux-mêmes. Les Kassaïens qui sont dans les affaires minières sont nombreux. Et j'estime que dans cette oasis de cette richesse figée dans un camp, elle devient une source de frustration. Et ça, c'est pendant la nuit des temps. Nous savons tous que j'ai subi des menaces de mort, des intimidations, des appels anonymes. Mais sachez une chose, je suis une femme imperturbable, inintimidable. Je ne profite jamais de ma place pour régler des comptes, mais de dire, de déceler, de rétablir des vérités. Il s'est rappelé ici que le Katanga est une terre d'opportunités et de fraternité. Nous avons tous suivi le propos de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, lors de la journée internationale de l'habitat le 4 octobre 2021, sur l'ouverture du Grand Katanga au monde d'investissement, ce qui va résorber le chômage, surtout celui des jeunes. J'avais laissé une brèche pour un droit de réponse sur l'affaire Pate Katengo, ainsi que son ancien employeur, le pasteur Chulumba. Voilà le deuxième son de cloche qui nous a pris à moi et mes hommes de main une semaine. Rétablir la vérité est la seule et unique raison qui m'habite, car tout compte fait, il n'est jamais aisé d'essuyer l'honneur de quelqu'un pour quelque finalité que ce soit. Il est aussi vrai que tout brouillard devant s'est dissipé au fur et à mesure que le soleil monte, la vérité finit toujours par poindre ses formes rayées. En allant droit au fait, je parle du feuilleton Pate Katengo qui a pris des tournures et déviations les plus inquiétantes, confuses et mesquines pour une personne de sa taille. Voilà le point de vue, disons, de l'autre partie. Le jeune Pate Katengo n'était nullement propriétaire de ses actions telles qu'il a souvent brandi à la face de qui veut l'entendre. La société OL Consult appartient à M. Chilumba, Olivier Chekina. Ayant usé de ses relations humaines, ce qui n'était pas une mauvaise chose, Rentla, Patrick est plutôt engagé comme tout employé qui se recherche pour la survie et s'est vu confier la gestion d'une société minière. OL Consult, là, n'est pas encore le problème. Pour eux, devenant un peu plus envieux et quelques diables aussi le poussant, Katengo opère une vente ou des ventes des minerais comme d'habitude, mais cette fois, il a commis le péché de s'écarter de la déontologie et l'éthique en faisant disparaître les produits de la vente opérée. L'affaire ayant fait bruit et après l'audit, les faits sont établis et se sentant pris à son propre piège, il est passé aux affaires devant témoins, les deux jumeaux. Quand je parle de mine, les deux jumeaux, tout le monde les connaît, et pas n'importe lesquels. Le mal est commis au point que toute la confiance passée en lui s'est évaporé comme une fumée noire de honte dans un firmament moqueur. Il se mordra les doigts, mais bien tard, car plus rien ne sera comme avant, selon eux. Voulant et pensant se rattraper, Patrick a reconnu son forfait. Bon repentir, mais qui n'a pas suffi, car la gestion des affaires lui a été tout simplement retirée. Et selon eux, il s'en est tiré à bon compte, puisque n'ayant pas été purement et simplement viré de son boulot. Il restera toujours dans ses 10%. Cette perte de confiance et de valeur l'a rendu irascible au point de basculer aujourd'hui dans la médisance.
le poussant à raconter des camelotes en tordant le cou à la vérité de fait, selon le camp du pasteur Chirumba. Cependant, tout le monde sait que lorsque le masque tombe, on a en face de soi le vrai visage du porteur de masque, car il est démasqué. Le patron lésé, le pasteur Chirumba de son état, a préféré éloigner le jeune turc de ses activités en plaçant quelqu'un de plus sûr, c'est à son corps défendant, non? Quelqu'un, j'allais dire, de plus honnête et honorable, c'est qu'il n'était pas du goût de notre catégorie, ne voyant plus ses propres affaires extra-moroses tenir la route, il s'en prend à sa victime, l'accusant de torpiller ses relations, selon eux toujours. Pour son patron, le pasteur, après que Patrick ait passé aux aveux, c'est qu'il y a une bonne chose, leurs relations sont au beau fixe et qu'il n'y a aucune menace suspendue sous sa tête à l'instar de l'épée de Damoclès. Il a même déjà minimisé le fait, il s'appelle tout le temps, il a des captures de camp que je ne mettrai pas ici. Sinon, on dirait que Patrick se comporte comme l'âne des fables de Jean de La Fontaine qui pensait se repentir en disant avoir souvenance qu'en un près des moines, passant la fin d'occasion l'herbe tendre. Et je pense, tel que diable le poussant, il tendit de ses prêts la largeur de sa langue. Il n'en avait nul droit puisqu'il faut parler net. Pour eux, ils disent, Patrick, tu ne serais pas tombé aussi bas si tu étais resté vraiment fort face à l'envie. La tentation était trop forte, mais l'homme qu'on a en son intérieur devrait se rappeler à l'honneur. Dommage. Fin de citation. Ma conclusion dans cette histoire aux multiples facettes entre celui qui se sent trahi et celui qui reconnaît avoir récupéré sa part de force, que chacun s'efface son opinion. Retenons une seule chose, que des noms ont été cités dans cette histoire, et pour la paix de tous, il faudrait que chacun se souhaite une bonne chance et évolue vers son destin dans la paix du Seigneur. J'ai d'ailleurs eu à acquérir une forte expérience et connaissance dans le milieu du Congo à travers cette histoire où je vous informe que chaque Congolais a le droit de demander d'exploiter les rejets de la Gécamine appelés les remblais. Une chose avant que je n'oublie, voilà le message qu'on m'a dit de vous faire passer. Le chef de l'État est très clair. Il ne veut voir ni un membre de sa famille biologique restreinte ou élargie, ni les amis, ni les connaissances dans les histoires de minerais en son nom. Voilà, c'était pour vous cette histoire rocambolesque. Je souhaite la paix au Katanga, une terre d'opportunité, une terre de fraternité. Allez, je vous aime et vous souhaite beaucoup de bonheur. Mettons les caps sur le social des Congolais. On a 18 000, papa. L'île au général, qu'est-ce qu'on va vous dire? Papa, nous sommes là, nous sommes pas pour la misala na yo. Nous y a dit aujourd'hui, et ça la libère la photo de l'humanité. Nous sommes là, comme pour lui, à ma salle, la moins chère. Général Kasongo, merci Mingi. Pour l'embatter,
ba delinquants on peut se mettre au limbo bango te to bande au dénoncer bango kaka yo zoa bango biso to ya kolia kaka ne to lia boy et c'est moi trop merci on y osa c'est mon makasi papa masanga mboka na biso moko atenza avila 18000 et puis to zo lia ngo c'est mon makasi pour mon kota mboka a continuer ka malabu boy to kende kaka boy kaka et ça c'est la raison mon makasi boy ya sa mon la biso to te pay la ngo to te pay la ngo makasi o lia masango et c'est le comme pour ça to vitamine merci. Un service. Vous allez bannir même cet esprit-là de Kuluna. Ça n'aura plus sa place dans le Congo. Vraiment à vous mes enfants, pas dans Nanga et Mibali. Mibali qui t'a causé, mais moi, mon bal est sale à la passe. Ceux qui vont ressentir mon salaire à Boegoza n'y pas mon lipon en bourre à la piste au Congo. Bino va au boutique, il ressent mon salaire au Zangitina. Tosengi la bino boutique. Pour place, n'est bino et Rosana Boloko. Ceux qui ressent la 5 à perdre pour Namboka. Misale Goya, Tosana besoin l'osso, Madesu, pomme de terre, Matungulu, Fufu, Nyon, Sobambala. Congo mobimba toko bénéficier. Bonjour, je suis Maître Richard Mpinda, avocat au prestigieux barreau de Kinshasa Matete, et je suis président de la plateforme Yabiso Mpinda. En fait, la plateforme Yabiso Mpinda est un cadre de réflexion et de l'action pour le développement de la République. Et nous pensons qu'au sein de ce cadre de réflexion, le développement de la République n'est possible que par vous et moi. Et cette évidence nous amène à croire que, en nous mettant tous ensemble, en réfléchissant tous ensemble pour le développement de cette République, nous arriverons à permettre à ce que notre pays soit développé. Je voudrais avec une certitude vous dire que le développement de la République démocratique du Congo ne serait pas possible par le Fonds monétaire international ni par la Banque mondiale. Ce développement ne peut être possible que par vous et moi. J'insiste. Je voudrais que nous puissions tous ensemble conspirer pour le développement de cette République. J'insiste. Et j'ai bien choisi ces mots. J'ai dit conspirer tous ensemble. Et ici, il y a la diaspora. Pourquoi la diaspora? Parce que nous pensons que de la diaspora, vous avez par exemple l'expertise. C'est-à-dire que vous avez évolué à l'extérieur, vous avez été avec les États qui ont développé, vous avez été avec les entreprises qui ont fait de l'expérience. Et cette expérience peut être profitable chez nous ici. Dans certains pays de l'Afrique, vous avez par exemple le Sénégal, vous pouvez prendre le Nigeria, vous avez le Mali. En dehors de l'Afrique, vous avez la Chine et tant d'autres pays. Ils se sont développés par leur diaspora. Au-delà de cela, la diaspora détient des capitaux. Ces capitaux, on en a besoin. Mais nous qui sommes restés ici, nous avons le moyen de leur fournir de lois, la sécurité qu'il leur faut, assainir le milieu des affaires pour qu'éventuellement, qu'ils puissent venir investir en toute sécurité. Assurer réellement l'indépendance de la justice, mettre fin aux tracasseries que nous avons. Nous prenons par exemple, s'il faut 3, 4, 5 jours pour éventuellement créer une entreprise, ça serait bénéfique. Retenez bien que le développement de ce pays n'est pas conditionné par nos appartenances politiques, c'est-à-dire que vous êtes de la Mouka, vous êtes de l'ensemble, vous êtes de l'Union sacrée. Rien à voir. Le développement de cette République, c'est vous et moi. Quand j'ai dit vous et moi, je fais allusion à vous, Congolais, de la même manière que moi, sans considération de vos appartenances politiques. Nous pensons que tous ensemble, la main dans la main, et qu'ensemble, nous regardons vers la même direction, comme un seul homme, nous pourrions nous assurer d'un développement et ceux qui viendront après nous, c'est-à-dire ceux qui hériteront de cette République, puissent se dire que nous avons fait quelque chose pour ce pays. Moi. Congo, RDC, retenez ma belle Nzambe après sa mission à Mokili. Bakadi saki tango e kota date lelo yo tango etani hey kisalume bana.